Les gars, Ouais. c'est pas au truc de recrutement qu'on va, c'est un peu plus loin. Non, c'est au grand bateau là qui a. Il y en a un qui a fait une. Ah, en fait, je crois qu'on a une commande je crois qu'on a une commande Amazon à prendre au container 147 de E. Aussi, je crois qu'on a du nouveau matos. Hein. Ah, mais je crois qu'il y a des rats partout dedans. Je crois qu'on y va pour ça de base. Hein. Ouais, je crois que c'est pour ça aussi, ouais. Salam alaikum, tiens, je te donne le ticket, gros fils de pute. Allez, avance. Pourquoi tant de violence? Je sais pas. J'aime la violence. Ah, il faut qu'on prenne aussi un semi-remorque pour tout mettre dedans. Je vais prendre le semi-remorque, mais il faut trouver un camion. Non, mais laisse, on s'en mange. De toute façon, on va se faire buter quand on va arriver sur place. Par contre, ce qui est bien, moi, c'est que j'ai vraiment 5% d'HP. Hein. Oh putain, on va se faire niquer. Ah, je vais essayer mes remorques si vous voulez, vous en voulez. On peut descendre. Rolex. Rolex. Rolex, j'ai essayé mes remorques. Alors, c'est la caisse 142.22 où il y a tout notre matériel. Ah, c'est la 24, regarde, 142.24, c'est écrit là sur le doc. Il y a le matériel, le nouveau matériel. C'est une autre, ça, dessus. Faut aller le chercher. Eh bah c'est parti hein. Allez on te suit hein, t'as le plan. Je sais pas trop où c'est mais j'y vais hein. Oula ça fait bip bip. Attention le J a lancé top assaut, des bruits de BP en retentir, ça fait canarder de balles à la mitraillette. Pour information le téléphone 15, une TV. Oula attends, pourquoi y'a un mec mort ici? Bonjour monsieur. Oh putain. Oula. Un rat sauvage. Ouais, il a dû se faire mordre par un rat. Allez vite, montez. On circule. Allez, on va monter. Oh, non, recule. On recule. Bah, on doit chercher notre cargaison. Allez, derrière votre camion. On doit aller chercher notre cargaison. Allez, derrière votre camion, deux fois. Mais c'est à nous le bip bip, là. Bon, bah tant pis. Hein. Ouais, derrière le camion. C'est la radio. D'accord, bah le bip bip, on le laisse, le bip bip, hein, écoute, c'est tout. Hein. Mais non, mais je crois que c'est que le... Le truc a produit, là il a plus de batterie, c'est pour ça que ça fait bip bip. Il est resté trop longtemps allumé dans le container. Ne jamais faire notre boulot. Oh là, attendez, venez voir là. Putain, il a plein de puces, le chien. Vas-y, va falloir le... falloir le dératiser, là. Oh, on recule. Mais il a plein de puces, votre chien, c'est quoi? C'est dégueulasse. Ah, il y a Roger, c'est parfait, impeccable. Ok, j'ai pris, je tire le câble, hop. Et voilà le chien, voilà le chien. J'ai deux PM. Je te mets un petit peu d'un tir là-dessus. Confirmation, 3 mecs en rouge ainsi qu'un camion de bloqué au niveau de l'escalier. Attends, j'essaie de les faire reculer, mais. Celui-là il est dératisé. Attends, on a pas trop de produits après, c'est toxique. On recule, allez! Ah, vous reculez là! Il y a la Tenson 15 qui arrive, j'étais sur la fréquence. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh putain! Circulez! Ah mais je crois c'est les dératiseurs là avec le Toyota blanc. Je crois qu'ils y vont à l'explosif. Explosion, une explosion sur le lien, apparemment le GIGN se fait tirer dessus. Aïe. Heureusement qu'on est caché hein. Ils sont montés ? Y'a les dératiseurs GIGN. Ils s'appellent GIGN. C'est la concurrence. Quoi ici messieurs? Je on va chercher notre cargaison. De camion. D'accord. On cherche notre cargaison. En tout cas très pratique le dératiseur GIGN. Le dératiseur GIGN, il faut les GIGN. Ouais, ils y vont au C4. Putain, nous on n'a pas ce matos là, on n'a pas le droit. Nous on y va à la mort au rat et au. Ah pardon mon général. Non, c'est. Non. Il a rien d'appelé. Bah c'est quoi ça? Gardien contractuel.
Non, gardien de la paix, gardien de la paix. Gardien stagiaire. Non plus. Bah, c'est celui-là. Ah, mais vous travaillez la justice. Non, bah, ouais, mais la police nationale. Mais attendez, vous dites gardien de la paix. Oui, gardien de la paix. Je sais pas, moi je vois la... Bah, oui, c'est un grade là. Dans la police. Ah, ok, ok. Je suis jusqu'à vous. Comment ça va, monsieur? Ça va, toi? Ça va très bien. Je sais pas, moi je vous vois, donc vous voyez pas, là, je pense. Ouais, mais vous ne vous voyez parce qu'on est plusieurs. Vous allez pas dire tu alors qu'on est trois. Tu es tout seul. Alors vous avez arrêté de me vous voyez, d'accord, ça, ok, on arrête de vous voyez. Comment vas-tu? Alors vous voulez peut-être que je vous donne un enjeu, peut-être. Bah, on te demande comment tu vas. Et tu viens de nous dire qu'on doit. Tu viens de me dire qu'on arrête de te vous voyez. Oula, mais vous avez pas me tirer dessus non plus. Ah bah voilà. Doucement quand même. Faut mieux comprendre. C'est quel attendez, votre arme, s'il vous plaît, on est un peu. Peur, c'est quel dératiseur, le Jige? Alors, monsieur, il y a une bombe qui vient d'exploser, alors non, je n'arrange pas mon arme. Oui, mais c'est des dératiseurs Jige. C'est pas mon vieux, quoi. Je te parle juste votre dératiseur. Alors, monsieur, vous. Du coup. Dératiseur Jige. C'est votre véhicule, non? Et on va chercher notre cargaison, nous. Galec, tu peux appeler les sapeurs Jige. Ouais, c'est marqué. On va demander s'il y a besoin et. Moi, c'est pas oui. Bah non. Pourquoi? Ah parce que vous êtes un peu blessé quand même. Bah non, je suis juste un papier quoi. Je boitais peu, ça se voit non. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi il y a le dératiseur Gisne qui est là? Bon messieurs, arrêtez, c'est pas des dératiseurs hein. Oh mais c'est chez vous, je vous parle pas à vous non. Bah, pas de compte, on est juste chercher notre nouvelle cargaison, hein, mais bon. Après, il y a le Gisne. Le dératiseur Gisne, je sais bien trouvé. Ouais. Ah, il est mignon, le Gisne. Ok, putain, regarde, ils sont bien équipés, hein, le Gisne. C'est le Gisne. Mais si, regarde, je te casse. On a ça, nous. Ah oui, moi aussi. Bon, attendez, je vais juste vite fait parce que je crois que j'ai laissé en plus. Bla 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 bla. Quoi? Quoi? Ah, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Bon, allez, vous circulez. Qu'est-ce que t'as? Dis-moi, on ne vous font pas reculer plus. Bonne question. Vous avez pris Kiki ou pas? Oui, Kiki. Ah oui, c'est son rat de compagnie, mais non, il est mort. On a mis trop de produits tout à l'heure. Ah, Kiki. Mais oui, il est mort. Comment ça va, monsieur l'agent? Écoutez, ça va mal, vous êtes là. Ah bah c'est sympa de dire ça. Allez, outrage à civil. Je sais ça, j'ai rien. Allez, je note. Vous êtes pas le fameux OPJ, vous? L'OPJ? À son âge, je pense pas. Celui, non, qui monsieur... pour... celui qui se prend pour un flic et que j'ai écrasé une fois. Oula, mais vous êtes dangereux, vous écrasez les gens, monsieur. Ouais, il m'a écrasé, mais je me souviens plus. Mais pourquoi vous êtes en liberté? Pourquoi il y a un camion citerne avec un mec qui travaille? Depuis quand vous travaillez avec des camions citernes? Depuis toujours. Bonjour. Ouais, c'est une grosse cargaison de produits, parce que le bateau il est quand même très grand. C'est le produit toxique. C'est ça comme produit toxique que vous utilisez? Ça rend bon, gars. C'est pas ça. Alors, écoutez, ce que je vois sur la plaque ADR qui est devant votre camion, c'est 22,30. Ça correspond à de l'essence, donc c'est pas du dératisé. C'est pas des produits chimiques. C'est parce que c'est pas du dératisé. Non, ça c'est pour l'usine, là. C'est pour faire le produit. Avec de l'essence. Bah, vous voulez... Pardon, voilà, il y a marqué 22,30. Les groupes, vous voulez les faire fonctionner comment? C'est moi, la police nationale, il y a un OPJ entre les deux là? Ouais. Moi je suis monsieur le procureur. Bon les gars, vous avez cherché la cargaison ou pas? Et merde. Apparemment, on n'a pas le droit d'entrer. Monsieur, venez. Vous avez pas un OPJ aussi à tout le monde? Contactez la gendarmerie, ils sont venus du coup. Nous les OPJ, ils sont pas en service là. Ouais, nous aussi. Mais... Oh, bon, vous êtes arrivé avant nous. Allez, ces messieurs ils font quoi là en fait à la base? Je sais. Pipi, je vous descends du camion. Est-ce que vous avez de base c'est mon camion. Ah, mais oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez un OPJ en service? Bon, tu te ramènes ça à l'usine. Ok, allez. Est-ce que vous avez un OPJ en service? Arrêtez-vous, monsieur. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Si, il veut juste
c'était tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui, oui, oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ils sont partis, on peut y aller. Allez, go. Bah bien sûr que oui, je suis arrivé en camion. Moi j'attends un peu de début, donc on peut. Ah, mon permis de conduire. Bah ouais, ils sont tous là-bas, donc c'est bon, hein, je pense. Oh merde, y'en a un qui arrive. Ne voyez pas, ne voyez pas. Allez, vite, faut intervenir. Voilà. 75, j'ai besoin de vous. Je peux venir, s'il te plaît. Vous pouvez venir derrière. Tout derrière. Voilà, mais il est tombé dans l'eau. C'est le permis Z. Redescendez immédiatement. Il est là. C'est le bon, t'inquiète. Il a fait plouf, non? C'est le bon, c'est le bon, c'est le bon. Oh, vous descendez du bateau là. Ouais. Ouais, vous parlez mieux quand même, monsieur. Oh. Ouais. Je suis pas un chien. Allez, j'y vais. Quand même, on est où là? J'ai du travail. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ok. Bah non. Mais je viens juste chercher la cargaison. Oh, pourquoi vous contrôlez du coup? Contrôle abusif. Nous serons en retard. On peut pas travailler tranquille. Hein. Ça, non, c'est une lunette de soleil. De fourniture. Ok. Non. 85 ans. Ouais, très bien, pas de soucis. Bah bien sûr. Très bien. Monsieur, je peux monter? Alors, je vais procéder à une palpation de sécurité. Qu'est-ce que je trouve sur vous? Restez une ici. Une mallette. Non, et dans la manette, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, vous restez ici, là. Bon, allez, moi, je dois vous laisser, j'ai la cargaison à ramener. Putain, ça a plus du cul, là. Je sais pas ce qu'il y a dans la manette. Mais pourquoi? Peut-être que je suis d'accord, juste mon boulot. D'accord, ok, j'ouvre la manette. Mais qu'est-ce que j'ai fait, encore? La mallette... Bah, rien du tout, non. Bah, dépêchez-vous de faire un pour... car Amazon nous a dit de venir au cargo. Arrêtez de jouer au con. Posez-moi des questions. Vous allez peut-être jouer... Bien après. Alors, monsieur... Nous, on est venu quand on a entendu un bip-bip, c'est tout. Il n'y a pas de bombe dedans. D'accord, très bien. Et comment je peux en être sûr? Donc, vous allez me donner immédiatement le code de votre manette. Est-ce que vous avez ma parole? Mais regardez, on est une entreprise, on est certifié. À quel moment? Je m'en fiche, je veux savoir ce qu'il y a dans la manette. Il y a le patron, il est là. Ce qu'il y a dans la manette, c'est du produit et des outils. Compte les rats. Il y a quoi comme outil, monsieur? Des cages, il y a une petite grille pour les rats. Ah, c'est bon. Bon, du coup. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu fais? Non, rien du tout. Est-ce que vous avez quelque chose d'illégal sur vous? J'ai essayé de me curer le nez, mais ça marche pas. Non. D'accord. Alors, boy, donc c'est con. On va appeler le 79-43. Tu y es juste monté sans autorisation, c'est bon, tranquille. Tu le démenottes, il a rien fait de mal. On va voir avec la PM ce qu'ils ont fait du papier là-bas. De toute façon, eux, ils ont rien à voir dans l'histoire. Merci, monsieur l'agent, vous êtes gentil au moins. Donc, vous êtes gentil, fait de mal. Vous respectez les civils. Je crois qu'ils ont rien fait de mal. Je peux vous savoir l'identité du contrôle? Pourquoi vous m'arrêtez? Il y a plus personne. Oh merde, j'ai fait tomber mes clés. Le GIGN, il est parti, là. Le GIGN, il est parti, monsieur. Ouais, c'est ce qu'on dit. Si le GIGN est parti, pourquoi... Personne ne le voit tout neuf. Mais c'est eux qu'on fait péter pour faire partir les rats. Ah, je sais que le GIGN n'y font ça d'habitude. On a passé le contrôle abusif, je me connais. C'est n'importe quoi avec le camion là. Oui, mais c'est notre collègue, c'est pas nous. Oui, ah, perso, je le vois tout neuf. J'ai peut-être eu un problème cerveau à un moment. Vous essayez de refaire votre travail. Après, c'est la vie de la personne qui compte, je vous rappelle. C'est les règles de la ville. Vous avez un pied de biche dans la main, monsieur. Ça, c'est pour ouvrir le conteneur. D'accord. Ah, bah après, la police nationale, c'est pas facile. Ah, ouais, mais je vais mettre tout. C'est pas vous qui me contrôlez, donc c'est le municipal. Enfin, la municipal. Il est impeccable, hein. Et fouillez ce que vous voulez, contrôle abusif. Contrôle abusif. C'est combien de temps qu'elle existe, votre entreprise? Vous savez pourquoi c'est un contrôle abusif? Très longtemps qu'elle existe, votre entreprise. C'est, c'était le grand-père du grand-père du grand-père qui l'a créé, vous connaissez. Comment ça va? Alors moi, ça fait que j'ai 20 ans. Oula, vous en avez combien? J'en ai 64. Je m'arrêterai jamais de bosser, moi j'adore cette entreprise. Allez, fouillez. De toute façon, je vais sûrement crever d'un cancer à force d'inhaler tous ces trucs. Ah, disait quand même la police. Il y en a déclaré. Des quoi? Des rats. Ouais, ouais. Attention à ce que vous dites quand même. Ah, faut des rats. C'est des rats, quoi. Ouais, ouais. Vous trouvez rien à l'intérieur. Il y a plein de rats tout partout. Ouais, parfois ça nous arrive quand même de faire un clean contre les gendarmes, contre les cafards. Oui. Contre les qui? Les cafards. 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 Ouais, ouais. Ah oui, cafards, il y en a partout. Hein. Quand il y a du grain de la saleté, ils viennent tout de suite, hein, là, il n'y a pas de problème. Hein.
Et avec tous ces rats à la police nationale aussi, faudrait qu'on intervienne bientôt. Hein ? Mais merci, monsieur de la police, parce que franchement, votre collègue, il m'a menotté direct. Monsieur, vous ne voulez pas sortir du bateau. C'est normal que je vous le menotte. Attendez, c'est qui arrive là-bas ? C'est qui le gars qui descend du bateau ? Il y a un monsieur qui descend du bateau là. Et lui, vous le contrôlez pas, moi je trouve ça plus dangereux que nous. Hein. On y va. En tout cas, monsieur, vous êtes un bon policier. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. C'est moi qui conduis. Hein. Oui, vous êtes là pourquoi du coup ? On vient chercher notre cargaison, nous. Ok, c'est pour votre cargaison, ok. Ouais. Ok, c'était conteneur numéro combien, monsieur ? C'était le 114.24. Ok, 114.24. Ok, ok. Ok, bah c'est nickel. J'envoie le message à mon. Au gars qui est au-dessus, oui. Là. Et il va vous déplacer le conteneur. Merci beaucoup. Ah, parfait, merci beaucoup. Pas de soucis. Personne, en fait, déjà, j'ai une contrôle. Mais bon, il a appelé un autre. Mais moi, je te comprends. Ah, mais on nous appelle en tant que dératiseur. Donc, à votre avis, monsieur, qu'est-ce qu'il y a dedans ? J'en sais rien. Il y a des policiers, des rats dedans. Voilà. D'accord. La gueule qu'il a. Après, même s'il y a des petites bêtes dedans, elles font pas long feu non plus. Hein. Ce qu'on fait un gros clean dedans. On n'a pas que de la javel, pour vous dire. Bon, qu'est-ce qu'on attend là ? Vous arrivez à lire ou vous avez besoin de... je sais pas. Ah, c'est bon, vous arrivez à lire. Bon, on attend le patron et après on ira chercher la cargaison, hein, du coup. Et pourquoi la police, messieurs ? Bah, je sais pas. Les gars, non, va, mais je crois qu'ils étaient en train de protéger le Gijne. Ah, c'est bon, on peut y le aller. Le Gijne, ils étaient en train de dératiser à la bombe. On y va là, on a besoin. Ah, de ok, il y avait le Gijne. Ok. Allez, bonne journée, monsieur. Vous avez pas dit bonne journée. Ici. Oh là, oh. Vous avez pas dit que le ah, ça va. Bonne journée. Non, c'était pas. C'est bon, ça va, ça va. Ah, monsieur. Oui. Vous avez pas dit que le conteneur vous l'emmenait ici. Si, bah, là il est en train d'être déplacé, regardez. Regardez pourquoi ils sont montés alors les deux autres, ils sont un peu cons, hein. Ah, c'est pas grave, ils vont regarder les cargaisons. Bah oui, ouais. De toute façon, je m'en bats les couilles, hein. Moi je suis qu'un simple ouvrier, en plus je me fais payer une misère, donc j'en ai rien à foutre. Oh, je suis désolé pour vous, vous voulez pas changer de métier. Bah écoutez, pourquoi pas, après vous pouvez prendre un autre conteneur en plus si vous voulez, hein. Moi je m'en bats les couilles. Il y a Bugstar qui recrute. Il y a pas un conteneur avec des PS5 ? Mon petit fils, ouais. Il me dit que ça se vend bien ces trucs-là. Y a moyen. Bon, on va regarder. Ça vous dérange pas ? Ah non, bah ça me dérange pas, prenez ce que vous voulez. Pour l'instant, le chef il est pas là donc. Ah bah voilà, regardez, je suis équipé. Un petit pied de quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Voilà, très bien, très bien. Moi, de toute façon, j'en veux les couilles, je vais me barrer d'ici là, dans pas longtemps. Bon, ok, vous voulez, hein. Je crois qu'il y avait un conteneur rempli de motos. Oula, ouais, ça peut être intéressant ça. Bah, il y en a plusieurs. Hein. On va peut-être y jeter un coup d'œil. On va voir, hein, on va voir ce qu'ils nous ramènent là-bas. Bah oui. Il y a un conteneur rempli d'esclaves aussi, ça je sais. Bah, ça peut nous servir aussi ça. Hein. Il y a un conteneur rempli de femmes aussi. Ça j'adore ça. Ça c'est mon dada ça. Ah, on va le prendre aussi. Hein. Ça c'est votre domaine. Ah, peut-être non, prendre c'est... même tout le bateau d'ailleurs, hein, ça ira plus vite. Non, c'est pas le conteneur qu'on va prendre, c'est la nana. Ah mais il y en a moins une vingtaine. Oh là 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 là. Ça va pas. On va se régaler. On va chercher un bus. Oui, pas de soucis. Bonjour monsieur. Il y a pas un conteneur avec un bus dedans. Bonjour. Ah là, ça non. Malheureusement ça passe pas. Ah, merde. On l'a en pièces détachées sinon. Il faut le monter sur place quoi. Ah putain, j'ai déjà joué à Lego mécanique mais c'est très long. J'imagine avec un bus ça doit prendre encore plus de temps. Ah bah. C'est sûr. Allô. 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 Oui. Ben normalement il y a le... Normalement il y a le...